Fusong Ling, Les contes extraordinaires du pavillon du loisir. Histoire numéro 94. La fille de Nankin. Un certain Zhao, habitant de Yishui, rentrait de la ville pour quelque affaire quand il aperçut au bord de la route une fille en blanc qui sanglotait à vous fendre le cœur. Il lui glissa une œillade. Ce qu'elle était belle, un plaisir pour les yeux qu'il ne pouvait plus détacher. Hey, « Hé, mon homme !» lui lance-t-elle à travers ses larmes. « On ne s'arrête que pour me reluquer ?»« Moi qui vis tout seul à la campagne, ça me glace le cœur de t'entendre sangloter si douloureusement. » Le décès de mon homme me laisse dans l'impasse. C'est pourquoi je me désole. T'as qu'à choisir un bon parti. Quel choix peut bien s'offrir à mon infime personne? Si je pouvais obtenir un quelconque soutien, je ne serais que trop heureuse de le servir. Zhao se proposa bien volontiers. Elle le suivit. Comme il habitait loin, il se disposait à lui chercher un moyen de transport. Mais elle lui dit « Inutile !» Et elle le devança, filant à la vitesse du vent telle une fée. Installée chez lui, elle s'activait au puits et au mortier avec beaucoup de diligence. Plus de 2 années avaient passé. Elle lui annonce « Je te suis reconnaissante de ta constante affection, mais cela fera bientôt 3 ans que je t'ai suivi. Il me faut maintenant te quitter. » « Tu me disais que tu n'avais plus de famille. Où vas-tu aller ?»« C'est ce que je t'avais fait croire alors. Nul n'est sans famille. Mon père est herboriste à Nankin. Si tu as envie de me revoir, il te suffit de venir lui apporter des simples. Ça te défrayera de tes frais de déplacement. » Zhao se mit en peine de lui trouver voiture et cheval, mais elle les refusa. Aussitôt le seuil franchi, elle fila sans qu'on puisse la rattraper, et disparut en un clin d'œil. Longtemps plus tard, Zhao, qui ne l'avait toujours pas oublié, acheta des herbes médicinales et se rendit à Nankin. Il entreposa la marchandise à l'auberge, et se mit à sa recherche à travers rues et marchés. Tout à coup, dans une herboristerie, un vieil homme, l'apercevant, le héla. « Voici mon gendre !» Il l'invita à entrer. La fille était occupée à laver du linge dans la cour. À sa vue, elle poursuivit son travail sans lui parler ni même lui sourire. Zhao ressortit brusquement, plein de rancœur. Le vieillard dut le ramener en le tirant par la manche. Elle ne le regardait toujours pas. Son père lui ordonna de leur préparer à manger. Il se disposait à lui faire un don généreux, mais sa fille l'en dissuada. La chance ne lui sourit pas. Il n'est pas capable d'en assumer trop. Mieux vaut soulager sa misère en lui communiquant une dizaine de recettes médicinales éprouvées dont il pourrait tirer indéfiniment de quoi se nourrir et se vêtir. Le vieux s'enquit des produits que le gendre avait transportés. Tout est déjà vendu et l'argent est ici, lui répondit sa fille. Le vieil homme produisit les recettes et lui remit la somme due avant de le raccompagner. Zhao essaya les remèdes. Ils se révélaient d'une merveilleuse efficacité. Il y a encore des gens qui en connaissent la formule à Yishui.
L'un d'eux consiste à piler de l'ail mêlé à l'eau de pluie recueillie sur l'auvent. Souverain pour réduire les verrues ou autres excroissances superflues.